Quand la présidente du tribunal a décliné l'identité du fondateur de la société PIP, les victimes ont hué Jean-Claude Mas. Le prévenu a fait état de 1700 voire 1800 euros de retraite. De quoi mettre en rogne les centaines de plaignantes présentes dans la salle d'audience. Je suis choquée par l'arrivée de ce monsieur qui est pris comme une vedette et qui a été pris d'assaut par les journalistes. Et je suis choquée qu'il nous tourne le dos et qu'on ne le voit pas de face. Ce face-à-face avec Jean-Claude Mas était très attendu par les victimes de prothèses PIP. Elles sont désespérées. Cette supercherie a bouleversé leur vie. Je le maudis, je le maudis. Je vais arrêter de jamais mes petits-enfants grandir à cause de lui parce que j'ai plein de problèmes à la suite de mes prothèses. Je le déteste. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? Eh bien, qu'on soit reconnu comme victime, qu'on arrête de nous mettre des grands titres, le procès des faux sains, mais arrêtez, on n'est pas des bimbos, est-ce qu'on a l'air de bimbos, est-ce qu'on est là pour vous dire qu'on veut avoir des gros nichons ? On était là parce qu'on a eu des problèmes de santé. Certaines ont des implants mammaires PIP après une opération d'un cancer du sein. Désormais, elles n'attendent qu'une chose, qu'ils soient punis pour tourner la page. On a découvert ma prothèse qui commençait à rompre. Donc j'ai souffert moralement, psychologiquement, je suis en arrêt, en maladie depuis, je me suis sentie trahie. Aujourd'hui, il a surtout été question de procédure, elles sont impatientes de s'exprimer devant le tribunal. Dans ce procès, elles sont plus de 5200 plaignantes sur environ 30 000 porteuses de la marque PIP en France.